Faustin Archange de Touadéra a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 62,71% des suffrages selon les résultats encore provisoires de l'Autorité nationale des élections. Même si le scrutin doit être validé par la Cour constitutionnelle de transition, le plus dur commence ainsi pour l'ancien Premier ministre centrafricain qui aura la lourde responsabilité de reconstruire un pays en lambeaux. Les défis majeurs du nouveau président centrafricain, c'est ce que nous allons voir dans ce face-à-face avec Dr David Iou, analyste politique. Docteur, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Et Rajoul Mouamadou, journaliste politique à notre rédaction ici à New World. Rajoul, merci également. Merci. Voilà, avec 62,71% des suffrages, Faustin Archange Touadéra est désormais le nouveau président de la Centrafrique. Le successeur de Catherine Samba-Panza va être immédiatement confronté à l'urgence de redresser un pays en ruine et profondément divisé par 3 années de violences intercommunautaires. D'abord, suivons ce reportage sur le sujet. Voici le nouveau président de la République centrafricaine. Selon les résultats provisoires proclamés samedi par l'Autorité nationale des élections, Faustin Archange Touadéra remporte largement le second tour de la présidentielle avec 62,71% des suffrages, loin devant son rival Anissé Georges Doleguélé. Le candidat malheureux du scrutin du 14 février dernier a très vite reconnu sa défaite, mais dénonce des fraudes. Devant le siège de son parti, l'URCA, ses militants crient leur colère. Anissé Georges Doleguélé, il a écrasé plus de 28 candidats au présidentiel. Mais maintenant, au deuxième tour, on nous a proclamé aux radios qu'il n'a pas de voix, ce n'est pas si possible. On est mécontents. L'ANE a manipulé nos résultats, ce n'est pas nos résultats. On a gagné l'élection à 61,3%. Nous dénonçons tout ça, nous voulons que la Cour constitutionnelle prenne sa responsabilité, nous redonne notre victoire. La patrie ou la mort ? 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 Les résultats doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle de la transition. Dernier Premier ministre de François Bozizé, ce mathématicien de formation, a enregistré de très bons scores, notamment dans les fiefs de son ancien président à l'ouest du pays. À 58 ans, Faustin Archange Touadéra prend la tête d'un pays à la dérive, miné par la pauvreté et l'instabilité. Ses qualités et ses talents de mathématicien seront très rapidement sollicités à la tête de la Centrafrique pour résoudre une équation particulièrement complexe. Remettre sur les rails un pays meurtri et déchiré, à l'économie dévastée et dont l'administration a disparu dans les régions entières, sous la coupe de bandes armées depuis des années. Docteur Iou, d'un premier tour chaotique où Georges Anissé et Doleguélé étaient, on va dire, en tête, à un second tour presque parfait, Touadéra, président bien élu aujourd'hui? Oui, je pense qu'avec ce score de 62,71% contre 37,29%, il n'y a pas photo. Je pense qu'il a gagné. Bon, cela ne sert à rien d'arriver en tête au premier tour. On a vu avec l'histoire de Guinée comment ça s'est passé. Pas cette dernière élection, mais la première élection. En 2011, entre. En 2011, entre Sélou Daniel Diallo et Alpha Condé, où Alpha Condé avait à peine 19%. Et au deuxième tour, il avait gagné. J'avais un ami qui a assisté avec Edem Kodjo à la supervision de l'élection. Et au premier tour, on a dit, bon, ça y est, c'est lui, Dalin Diallo va être élu. Et il nous a dit, attention, nous avons assisté à tous les dépouillements. Mais c'est lui, Dalin Diallo a épuisé son électorat, peu essentiellement. Et donc tout le monde, et il était sûr, cet ami, que Alpha Condé va gagner. Ici, c'est à peu près la même chose qui s'est passée. Sinon que M. Touadéra a grignoté beaucoup de voix, y compris dans le fief de Bozizé. D'accord. Quand il était Premier ministre. Rajoul, comment dire, dans l'entre-deux tours, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on assiste à ce renversement de situation? Il faut d'abord préciser que le président élu, Faustin Archange Touadéra, était un candidat indépendant. Il est parti de très loin, hein, outsider, dans la première cohorte, au premier tour, et finalement c'est lui qui finit par triompher. Je pense que les Centrafricains ont fait le choix d'un visage assez familier d'abord.
On l'a vu, le premier tour a permis de décanter la situation et de dégager deux premiers ministres, deux ex-premiers ministres, des gens qui ont de l'expérience. Et finalement, ça s'est joué sur quoi? C'est sur le passif, sur le bilan de Touadéra. Touadéra a été un premier ministre que les Centrafricains ont beaucoup apprécié. Il a beaucoup fait pour redresser l'administration. Il a bancarisé les salaires des fonctionnaires. Il a apporté beaucoup de choses. C'est ça qui fait que ce capital de sympathie a été là. En même temps, je pense que Dolo Guélé avait misé plus sur l'électorat du KNK. Dans l'entre-deux tours, il a essayé d'organiser une coalition avec d'autres acteurs politiques qui ont été battus au premier tour pour essayer de passer au second. Et malheureusement, les consignes de vote de François Bozizé, notamment le patron du KNK, n'ont pas été suivies à la lettre par l'électorat, comme le disait le docteur Donc, Guillaume. Donc, on tournait en défaveur de Dolo Guélé. Justement, la tendance s'est déjà fait observer dès le premier tour. Touadéra est arrivé second parce qu'il a été en capacité de retourner l'électorat du KNK en sa faveur. C'est le dernier premier ministre de Bozizé. Je pense que les Centrafricains ont voté pour un ancien premier ministre, quelqu'un qui a un background, quelqu'un qui a une certaine notoriété. Oui, docteur Yo, un président bien élu, c'est vrai, mais est-ce que cela veut dire que c'est un président légitime? Parce qu'on parle aujourd'hui d'un taux de participation qui tournerait autour de 52%. Oui, bon, 52%. Vous savez, aux États-Unis, le taux de participation n'est jamais au-dessus de 60%. Les Américains ne votent pas beaucoup. Et lorsque, que ce soit 40% ou 52%, il est élu. Et c'est le pourcentage qui compte entre le premier, enfin, entre lui, Touadéra et Dolo Guélé. Et 62,11%. Bon, en démocratie, c'est ça. Hein, on compte seulement le pourcentage. Quand il y a au deuxième tour, celui qui vient en tête est élu. Donc que la participation soit de 25% ou pas, dans la Constitution, c'est valide. Il n'y a que dans très rares pays, dont la Roumanie par exemple, je ne sais pas s'ils ont changé, où il faut 50% d'électeurs qui aient voté pour que l'élection soit valide. Ici, là, quand même, c'est 52%, donc c'est valide. Dans les autres pays, il n'y a pas un chiffre butoir où l'élection n'est pas validée. Donc si vous avez, même si c'est 30% de la population qui vote, c'est valable. Rajoul, la question de la légitimité du président Archange Faustin Touadéra se pose, hein, même au-delà du taux de participation. Oui, effectivement, parce que le taux de participation, c'est très important. Il ne faut pas perdre de vue que la Centrafrique est un pays en guerre civile. Le pays est en crise. Il y a beaucoup de déplacés. Il y a beaucoup de Centrafricains qui ont quitté le territoire. Donc tout cela peut avoir agi sur le taux de participation. En même temps, je pense qu'il y a nécessairement quelques problèmes de dysfonctionnement au niveau électoral. Il y a eu le problème avec les cartes d'électeurs, des gens qui sont venus, il fallait fournir un document d'identité pour voter, alors que on sait, tout le monde sait que l'administration en Centrafrique est en faillite. Il n'y a plus d'administration dans beaucoup d'endroits, donc on n'est pas en mesure de fournir la carte d'identité qui permet aux électeurs de voter. Donc je pense pas que, malgré cela, je pense pas que ça déteigne fortement sur la légitimité de Touadéra. Les écarts sont nets. C'est entre 62% et 37%. Voilà. Je pense que c'est les deux tiers de l'électorat qui ont choisi Archange Touadéra. Dolo Guélé, bien sûr qu'il a respecté un peu, qu'il a critiqué des problèmes d'organisation qui sont imputables, qui sont acceptables. Ça passe, parce que tout le monde sait que sortir d'un processus transitionnel et arriver à faire des élections assez crédibles qui répondent aux standards internationaux, ce n'est pas très facile. Donc, Dolo Guélé a critiqué, mais il a fini par se ranger vu l'ampleur de l'écart qui les sépare. Docteur, aujourd'hui, la question n'est plus de critiquer ou de revenir sur, si vous voulez, l'élection qui a eu lieu, qui a été soldée par la victoire de Faustin Archange Touadéra. Il faut maintenant s'intéresser, on va dire, aux défis qui attendent le nouveau président. Un nouveau président qui hérite, on va dire, d'un passif lourd. Parce que le pays, je l'ai dit dans mon introduction, est en lambeaux. Le pays qui a été plusieurs années miné par des guerres intercommunautaires. Et aujourd'hui, le plus grand défi, est-ce que ce n'est pas le défi sécuritaire? Oui. Bon, avant de revenir là-bas, je voudrais faire un petit retour en arrière. Dans toutes les élections africaines, on a constaté que le nombre d'abstentions tourne autour de 40%. Au Togo, qui n'a pas connu de guerre, tout ça, à la dernière élection en 2015, présidentielle, en 2015,
on était à 60 et quelques pourcents. Donc, vous avez. Et pour un pays comme la Centrafrique, qui a connu, qui est déchiqueté avec tous les réfugiés, tout ça, avoir 52% de participation, c'est quand même honorable. Maintenant, les défis, je disais tout à l'heure avant d'entrer au studio que si j'étais monsieur Touadéra, je ne sais pas si j'accepterais d'être président parce que même c'est si, un cadeau empoisonné. Même si le peuple vous élisait. Bon, je vais le faire, mais il y a tellement de boulot pour les 5 ans que vraiment, j'ai un peu pitié de lui. Mais pour un bosseur, un travailleur, un battant, il peut relever le défi. Le défi, c'est d'abord, évidemment, le défi sécuritaire. Je crois que je suis passé sur ce plateau avec un colonel centrafricain. Alfred Service, est chargé de mission, défense et sécurité au ministère centrafricain des Affaires étrangères. Et qui était en mission au Togo. Oui. Et il a un peu brossé ce que l'actuel président doit faire. Il nous a expliqué qu'il y a plus de 5 rébellions qui sont tous des étrangers, qui ont envahi leur pays et qui ont foutu le bordel, vous m'excusez le terme, dans ce pays et il a bien dit que tous les petits chefs militaires là n'étaient pas des militaires, c'était des civils. Mais qui sont appelés des généraux. Qui sont appelés généraux, colonels, par ici. Et il a dit, on a même abordé le sujet, il a dit que la première, il me semble, la première priorité des priorités du nouveau président élu, c'est la sécurité. Et je crois qu'il faut démanteler tous ces groupes, machin, tout ça, pour refaire une armée républicaine qui va. Le colonel avait dit récemment, je crois qu'ils vont s'y mettre, pour remettre une armée avant que les troupes étrangères quittent le pays, une armée qui va sécuriser le pays et qui va permettre, évidemment, d'avoir un volet sécuritaire. Mais en politique, tout va ensemble. La sécurité va avec l'économie, avec le chômage, tout ça. C'est ça qu'il faudrait combiner dans un mixage dont les bons politiciens ont le secret. Et j'espère qu'il va réussir. Je pense qu'il va réussir. Oui, Rajou, le défi sécuritaire passe par quoi aujourd'hui en Centrafrique ? Je pense qu'il y a le tristement célèbre quartier du PK5 qui s'est illustré, on le voit dans l'actualité internationale, comme un lieu où des exactions ont été commises. Il y a cette césure au sein de la société centrafricaine entre musulmans d'un côté et chrétiens de l'autre, les Séléka et les Anti-Balaka. Je pense qu'il y a urgence à désarmer ces groupes armés, ces milices-là qui sèment la terreur. Il y a urgence à reconstruire le tissu social. La Centrafrique a été déchirée par ces 3 années de guerre. Et depuis 3 ans, l'État est en quasi faillite. L'État est en ruine. Il faut reconstruire l'État. Il faut reconstruire l'autorité de l'État. Asseoir l'autorité de l'État sur tout l'étendue du territoire. Ce qui passe par le désarmement, peut-être la remobilisation et la réinsertion d'un certain nombre de groupes ou bien de jeunes. Oui, justement, vous parlez là de la refondation même de l'armée centrafricaine. Comment ça peut se faire dans ce pays-là? Et évidemment, il y a beaucoup d'exemples qui font légion dans les autres pays d'Afrique qui sont passés par des conflits violents où on a essayé d'injecter un certain nombre d'éléments des rébellions dans l'armée républicaine pour ceux qui sont attirés par le métier des armes. Mais pour ceux qui veulent envisager une reconversion professionnelle, il faut mettre en place des mécanismes, des crédits pour leur assurer une certaine reconversion pour qu'ils quittent définitivement le métier des armes pour embrasser le métier civil. En même temps, il faut ajouter un autre défi qui est titanesque là aussi, c'est l'économie. Il faut reconstruire l'économie centrafricaine qui, elle également, est en ruine. La Centrafrique a les caisses quasiment vides. Il faut que… – C'est une économie, voilà, on va dire, sous perfusion. – C'est un pays qui a d'énormes potentialités minières, agricoles. C'est un pays très riche, une population relativement faible. Du coup, les répartitions de richesses, il faut redémarrer la machine économique, s'appuyer sur les bailleurs de fonds étrangers qui emporteront des ressources pour renflouer l'économie et relancer la Centrafrique. Docteur David Iou, le redressement de l'économie centrafricaine, qui est aujourd'hui, pendant toutes ces années de guerre, dépend en grande partie de la communauté internationale. Est-ce que ce travail-là n'est pas aujourd'hui, on va dire, est-ce que le nouveau président, Archange Faustin Touadéra, peut avoir les moyens de redresser cette économie-là? Parce que le défi sécuritaire soit relevé et que les autres aussi le soient,
c'est l'économie avant tout, en plus le social. Oui, je crois qu'il va se baser sur l'exemple de la Guinée. J'étais en Guinée pendant 3 ou 4 ans avant de revenir d'exil, et j'ai vu le pays qui était à terre, complètement à terre. On n'avait pas d'électricité de 18h au matin et toute la matinée, toute la journée des fois. Maintenant, j'ai ma belle-sœur qui est guinéenne. Il y a l'électricité 24 heures sur 24 heures à Conakry. Mm. En 5 ans, Alpha Condé a pu arriver. Deuxièmement, il a fait quelque chose que M. Touadéra doit peut-être copier. Il a annulé tous les contrats un peu farfelus, entre guillemets, que les sociétés étrangères avaient signés avec les anciens présidents. Et il a refait de nouveaux contrats. D'autres ont fait semblant de quitter, mais ils sont tous revenus, la plupart sont revenus, parce que c'est quand même de la bauxite. La Guinée était le premier pays producteur de bauxite au monde. Et ils sont en train de revenir. En Centrafrique, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du bois, il y a des métaux rares. Ah oui, c'est un pays qui est naturellement riche, hein, il est potentiellement riche. Ils sont assis sur de la richesse. Et je crois qu'une politique volontariste, très ferme, toutes les sociétés bidons qui sont en train de piller l'or, le diamant, si on remet de l'or rapidement dans les 6 mois qui vont arriver, eh bien, vous allez voir que cette Centrafrique va commencer à avoir beaucoup d'argent. Et s'il le fait, il faut un peu de la volonté. Mais il faut qu'il y ait un volet sécuritaire aussi pendant ces 6 mois qui tiennent. Et c'est pour ça. Mais il a un atout, c'est que les troupes françaises sont là, les troupes de la MINUSCA sont là. Ils ne vont pas quitter du jour au lendemain. Donc, il peut se baser sur eux pour désarmer tous les petits là, qui se battent en guerre, tout ça. Et je crois qu'il faut un désarmement systématique et radical. À commencer par le banquier. Oui, docteur Yo, mais il y a aussi la question des déplacés et des réfugiés qu'il faut attaquer aujourd'hui en Centrafrique. Oui, un gros problème, parce qu'il faut ramener tous les réfugiés. Et c'est triste. Moi, j'ai été réfugié parce que j'ai été un réfugié doré, si je conseille ma situation. Mais quand je vois les réfugiés africains ordinaires, ça fait pitié. Je crois que vous ne souhaitez pas même avoir pire ennemi qu'ils soient réfugiés. Pas réfugiés dorés comme moi j'ai été. Mais ça peut se faire aussi, parce qu'il peut se faire aider par les Nations Unies, il peut se faire aider par les pays amis, que ce soit les États-Unis ou la Chine. Et s'il a une bonne équipe, on a parlé d'une question d'équipe la dernière fois. Ce n'est pas seulement l'homme, Touadéra. S'il a une bonne équipe avec toutes les carnets d'adresses bien remplis, ils peuvent reconstituer tout cela. C'est très difficile, mais je crois qu'en 2 ans, ils peuvent sortir du bout du tunnel. Rajoul, on sait que la Centrafrique est un vaste pays. Aujourd'hui, il y a la question des combattants étrangers. Il y a cette question des déplacés et des réfugiés. Comment s'y prendre pour éviter de mélanger torchons et serviettes? Pour sortir le pays qui vient de d'hériter du gouffre dans lequel il se trouve, il faut que Touadéra prenne à bras le corps et en toute urgence la question des déplacés. Il faut reconstruire le vivre ensemble. Il faut reconstruire le vivre ensemble dans le PK5, capitale très symbolique, très emblématique de la scission, de la cassure, de la fracture de la société centrafricaine. Mmh. Il faut que des musulmans et des chrétiens, réapprennent à vivre ensemble. À vivre. Comme le pape François le disait récemment, éviter la peur de l'autre. Voilà. Il faut sortir du nous et du eux pour construire un nous collectif, un nous civique centrafricain qui soit le nous de la citoyenneté et du vivre ensemble. Mmh. Il faut reconstruire la cohésion nationale. Maintenant, il faut solder le passif des ex-rébellions. Il y a beaucoup d'aventuriers qui sont venus en Centrafrique. Vous le disiez tout à l'heure, qui ne sont pas des Centrafricains, mais qui sont engagés par opportunisme dans les différentes rébellions. Je pense que ces gens-là, il faudra les bouter, eux, hors du territoire et redonner espoir au peuple centrafricain. Lui redonner espoir, c'est lui réapprendre à vivre ensemble. Les défis sont grands, le chantier énorme, vaste. Docteur Iou, aujourd'hui, se pose la question de avec qui Faustin Archange Touadéra doit-il gouverner la Centrafrique? Oui, vous avez fait une remarque très intéressante. C'est un pays qui s'est vu poser un faux problème de musulmans et de chrétiens. Oui. Et les deux qui sont sortis au premier tour sont des catholiques.
Et ce pourcentage de 62,11% et 37,29% veut dire que les musulmans comme les chrétiens ont voté pour l'un ou l'autre. Donc, ça prouve difficile que cette histoire... à dire, difficile pour parce le moment. Parce que pour le moment. Avoir les statistiques. Peut-être que si Mekassoua, par exemple, était allé au second tour, ouais, peut-être. On pourrait, parce que lui. Mais encore là, encore que là, on ne sait pas si c'est. Encore que là, en Centrafrique, il ne faut pas se fier au prénom et au patronyme. Voilà. Oui, bon, bien sûr. Michel Diotodia était musulman, alors qu'il s'appelait Michel. Il a pris le nom de chrétien. Mais ça prouve quand même qu'il n'y a pas eu un vote de défiance vis-à-vis des deux prétendus ou vrais catholiques. Moi, je crois que c'est là où il faut un homme de à poigne. Vous avez posé le problème de PK5. PK5. Si c'est moi qui suis Todira, je commence par un désarmement musclé, doux et musclé. Ce PK5, on l'encercle le matin avec 3000 hommes et on désarme tout le monde. Est-ce que ça règle le problème? Non, attends. On commence comme ça. C'est parce que les gens ont les armes qui se tuent. S'il n'y a plus d'armes, ils vont plus se tuer comme ça. Donc, on désarme la capitale quartier par quartier. S'il faut commencer par le PK5 et par un autre quartier en même temps, celui-ci a prédominance chrétienne, celui-ci a prédominance musulmane, pourquoi on ne dise pas qu'on commence par les musulmans, qu'on commence par les catholiques? Il faut le faire. Et puis après, on voit l'intermède, comme vous l'avez dit, c'est un pays trop vaste, 623 000 km², ça fait 11 fois la superficie du Togo, pour une population de 5 millions d'habitants. C'est très vaste, c'est très difficile. Mais, je dis encore, avec tous ses voisins, malheureusement, ils sont entourés de voisins qui sont des ogres, à cause du diamant, de l'or. Chacun va rester derrière. C'est un groupe. Mais les Centrafricains doivent prendre conscience qu'ils ont un pays riche, qu'ils peuvent s'en sortir en 5 ans. Donc, il faut qu'ils travaillent avec tout le monde. Moi, je pense que si j'étais lui, je vais faire appel à tout le monde, aussi bien aux partisans de Leguilé qu'aux partisans de plusieurs candidats qui ont été battus, et on forme un gouvernement. Je n'aime pas le terme de gouvernement d'union nationale parce que c'est un tout petit peu un petit non-sens, mais un gouvernement d'ouverture et aussi de responsabilité. Prendre des hommes valables, il y en a dans tous les camps, prendre des hommes valables qui viennent et qui ne voit que la Centrafrique. Et je crois que s'il le fait, un gouvernement pas trop pléthorique, je le vois avec un gouvernement de 18 à 20 membres, pas plus, et avec des hommes et des femmes de qualité, de valeur, catholiques comme musulmans, comme païens, et qui viennent faire de la Centrafrique une nouvelle Centrafrique. Faire de la Centrafrique une nouvelle Centrafrique, Rajoul, avec qui faut-il gouverner aujourd'hui? Doit-on se tourner vers Anissé Georges Dologuélé, qui, même s'il conteste, en tout cas dénonce certaines velléités de fraude, ne veut pas contester les résultats dans leur ensemble devant la Cour constitutionnelle et qui se dit même prêt à accompagner le nouveau président dans sa politique de paix en Centrafrique? Mais en même temps, on l'a appris aujourd'hui, la présidente de transition, Catherine Samba Panza, qui aurait nommé un certain Jean-Jacques Demafoutz comme premier ministre alors qu'un nouveau président vient d'être élu. Est-ce que ça, c'est pas un mauvais signe pour le nouveau gouvernement ou le nouveau pouvoir? Je ne le pense pas, parce que la nomination sera validée par la prochaine équipe qui prendra le relais. Donc, libre à Touadéra de l'accréditer pour être ambassade en France, puisque c'est de là qu'il s'agit, ou non. Donc, ils sont nombreux. Elle est en train de recaser certaines personnes qui sont proches d'elle dans des postes avant de quitter les lieux. Donc, je pense que ça, c'est pas un indicateur de la situation. Mais tout à l'heure, Dr Yu disait quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé du problème chrétien-musulman et vous le balayez d'un revers de main. Je ne partage pas tout à fait cette analyse. Il est bien vrai que les milices anti-Balaka ne sont pas vraiment chrétiennes dans leur pratique, parce qu'ils utilisent des talismans, mais ils se revendiquent de la chrétienté, et les gens sont attaqués parce qu'ils sont musulmans. Tout à l'heure, nous donnons l'anecdote de l'ex-président putschiste, hein, Michel Diotodia, qui s'appelle Michel, mais pour pouvoir survivre dans la Centrafrique, a dû prendre le prénom de Michel pour ne pas être discriminé. C'est qu'il y a un problème, parce que le musulman est suspect de ne pas être un centrafricain. Donc il faut redéfinir ce que c'est que l'identité nationale dans ce pays. La réconciliation passe par là.
c'est-à-dire l'acceptation de tous les Centrafricains dans leur diversité et dans la pluralité de leur appartenance, de leur origine. C'est très important. Alors, avec qui Dologuele doit gouverner? Oui, naturellement, il faut un gouvernement d'ouverture. Il faut qu'il fasse un gouvernement. Il doit se considérer comme un président de transition, même si la transition va être, le chapitre de la transition va être clos bientôt. Mais il faut qu'il se considère comme un président de la transition qui fasse un gouvernement de large ouverture, qui inclut autant des chrétiens, des musulmans, des adversaires d'hier et des amis dans ce gouvernement-là, donner de la cohésion, hein, que le gouvernement soit le reflet de la société centrafricaine dans ses fractures, dans ses divisions. Et un gouvernement compétent, bien sûr, parce qu'il faut redresser l'économie. Je pense que c'est un monsieur qui a la réputation d'être très rigoureux. Il ne prendra pas n'importe qui pour juste faire du name-dropping ou bien de l'affichage politique. Je pense qu'il faut nécessairement qu'il y ait une cohésion nationale, qu'un gouvernement, une équipe. Et je pense, pour savoir ce qui sera la composition de l'équipe, moi j'attends avec impatience la formation d'un gouvernement, mais avant, il faut qu'on sache, pour le scrutin législatif, dont le premier tour après le report… Oui, très après bien. Là, c'est une très belle anticipation sur ma question. Oui. Docteur, aujourd'hui, on sait que le premier tour des élections législatives donne déjà une idée de ce que c'est, enfin, pas de ce que c'est, que ce que sera le prochain Parlement, mais il y a 43 députés qui sont déjà élus au premier tour. Exactement. Et c'est Dologuele qui a le plus de députés que Faustin Archange Touadéra. Alors, aujourd'hui, le prochain Parlement, à quoi pourrait-il ressembler? Et si éventuellement Dologuele était confirmé, s'il avait plus de députés que Faustin Touadéra, est-ce qu'on ne s'acheminerait pas vers un gouvernement de cohabitation? Oui, c'est ça qui risque. Bon, on va trop peut-être en besoin. Il y a 43 députés qui ont été élus. Sur les 140 qui vont être élus. Sur les 140 qui vont être élus. Au total, oui. On va suivre. Mais c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Que Dologuele arrive en tête, ça m'étonne qu'il ait une majorité absolue, franche, avec toute cette chose. Mais même si c'est le cas, il faut un gouvernement d'union nationale ou bien d'ouverture nationale. Et il a dit de Dologuele qu'il peut, il est prêt à collaborer, à former avec Faustin Touadéra, le président élu. Et je crois que s'il met de côté cette histoire de cassure musulmane, le même problème se pose dans un pays où il n'y a pas de problème musulman catholique, c'est en RDC. RDC, c'est presque tous des catholiques ou des athées. Des évangéliques. Plein de religions qui se font la guerre. Avant cette dernière crise, on n'a pas eu de problème entre musulmans et catholiques. C'est ce que le pape a dit. C'est des faux problèmes qui sont arrivés, comme les Africains savent bien les créer. Mais la réalité existe. Hein, la réalité existe, mais... Il y a des milices qui se revendiquent chrétiennes, il y a des milices qui se revendiquent musulmanes. Voilà. Bon, toutes ces milices, il faut les désarmer et il faut dire, bon, vous êtes chrétiens et catholiques. Et des gens sont pris pour cible, des gens sont tués parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils sont chrétiens. Donc je pense qu'on ne peut pas, se voiler la face par rapport à tout ça. Il faut que la justice... C'est vrai que c'est instrumentalisé, mais c'est la justice aussi qui va trancher ça. Il faut une justice rigide, tranchante, mais juste, qui va dire, si vous voyez un musulman, que vous le tuez parce que vous êtes chrétien ou inversement, les sanctions doivent être très lourdes. Et je crois qu'il faut en arriver à des sanctions extrêmes pour que les gens soient découragés. Il n'y a rien à faire. En matière de sécurité, il faut être ferme et il faut être, malheureusement, il faut casser des yeux. Et donc, si on voit un président vraiment strict, à poigne, quel que soit le régime qui va venir, et surtout si je souhaite peut-être même que Dologuele et Touadéra collaborent même. Je souhaite que Dologuele ait assez de députés, mais pas la majorité absolue, pour que le président Touadéra essaie de collaborer avec lui et de travailler. Je crois que ça peut marcher. Rajoul, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de ce que va être le futur Parlement centrafricain? Je pense que Martin Ziegele, lui, il y sera, parce qu'il a été élu. Il a été déjà élu. Dès le premier tour. Voilà, il y a d'autres leaders, comme Désiré Kolingba, Zanga Bilal, qui lui aussi a beaucoup de candidats, beaucoup de députés qui sont élus, ainsi que Faustin Archange. Touadéra, malheureusement, lui, il est plus un indépendant, un outsider qui est arrivé comme ça. Donc, je pense qu'il n'a pas le choix. Pour reconstruire la Centrafrique, il faudra faire avec tout le monde.
C'est pour ça que je dis, l'idée de se considérer en transition, c'est capital. C'est-à-dire faire un gouvernement de large ouverture qui essaie d'avoir une cohérence nationale, rassemblée. Parce que de toute façon, il n'aura pas le Parlement à sa solde. C'est pas du tout sûr. Donc, pour le moment, il reste 97 députés encore à élire. À pouvoir, oui. Voilà, il y a 97 places qui sont à pouvoir dans un second tour qui n'est pas encore précisé. Mm-hmm. Mais je ne pense pas que Touadéra ait beaucoup à attendre de ça. Donc, il n'a pas le choix. Il sera obligé de composer avec d'autres pour faire un gouvernement d'union nationale. Il a des partenaires avec qui il a été au second tour, qui l'accompagneront nécessairement. Mais il faut qu'il élargisse, il faut qu'il sorte des cercles partisans pour s'élever au-dessus du lot. C'est-à-dire, il faut qu'il soit le président de tous les Centrafricains, peu importe leur religion, peu importe leur ethnie, peu importe leur appartenance religieuse. Ça, c'est très important. Merci. Alors, docteur Ayou, le fait que Anissé Georges Dologuélé accepte la victoire, reconnaisse la victoire de son challenger Faustin Touadéra, aujourd'hui élu président de la Centrafrique, est-ce selon vous une faiblesse, en tout cas on va dire un atout ou un handicap pour le président élu? C'est un atout parce que M. Touadéra seul ne peut pas gérer ce pays vu les défis sécuritaires, les défis économiques, les défis tous les réfugiés qui sont... Et il a besoin de tout le monde. Il a besoin de Dologuélé, il a besoin de Ziguélé, il a besoin de tout le monde. Et si il est malin, il peut rassembler tout le monde. Vous savez, dès que l'exécutif met en place un gouvernement où tout le monde, il pique des gens de valeur quand même. Les Ziguélé, tout ça, on fait leur preuve, tout ça. Il les pique, les met à des postes de responsabilité. Je pense qu'il peut aller. Parce que là, vu cette configuration de cette assemblée, mais s'il fait une cohabitation pure et dure, ça ne marchera pas. Mmh. S'il n'a pas une majorité, ça mettons qu'il ait une majorité absolue. Vu qu'il est indépendant, tout ça là, les autres vont tellement lui mettre les bâtons dans les roues qu'il n'arrivera à rien du tout. Donc, je pense qu'il est intelligent, c'est un mathématicien. Il est en train de faire ses calculs déjà, qu'est-ce que je vais faire, quel tel homme je vais faire. Je pense qu'il va faire une équipe qui donne satisfaction à presque tous les courants, aussi bien religieux qu'économiques, qu'ethniques, tout ça, pour faire renaître la Centrafrique. Alors, je vous l'en ai parlé dans cette émission et dans des émissions précédentes de ce fait qui est une réalité en Centrafrique où il y a des groupes rebelles qui sont dirigés malheureusement par des civils qui se font appeler des généraux, des colonels, tout ça. Et la plupart d'entre eux ont été candidats à cette élection, une trentaine au total. Hein. Aujourd'hui, c'est Faustin Touadéra qui est élu président. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas risque que certains parmi eux se cachent dans le bois et se disent, voilà, nous ne sommes pas satisfaits, et qu'éventuellement, ils puissent revenir à la charge et remettre peut-être en cause tout ce qui a été construit? Je pense que... Est-ce qu'il y a ce risque-là? Ce risque existe. Mais je pense que la communauté internationale et la communauté africaine ne le laisseront pas faire. La France, par l'intermédiaire des forces Sangari, c'est en place. Tant que les bases d'un État solide ne seront pas posées, les Français ne se retireront pas complètement. Il faut rappeler rapidement qu'actuellement, il y a 900 soldats au moins en Centrafrique avec 10 000 casques bleus. Voilà. Aujourd'hui, il y a un contingent de casques bleus, voilà, mauritaniens qui sont en train d'être déployés en Centrafrique. Donc, la communauté internationale, que ce soit au sein de la MINUSCA, de l'ONU, de la France, des partenaires africains, ne laisseront pas tomber la Centrafrique. Sur le plan sécuritaire, je pense que c'est l'urgence. Il y a eu urgence à agir, à pacifier le pays et à envoyer les uns les autres dans leurs casernes. Les militaires, dans les casernes. Les politiques s'occupent de la gestion. S'il va comme ça, et s'il arrive à construire une cohésion nationale, un consensus, une vision qu'il partage avec les autres acteurs politiques, parce qu'il faut mettre de côté les divergences politiques, les questions d'ego, les questions de personnes. C'est de la Centrafrique qu'il est question. Il s'agit, oui. On a vu... Dès le premier tour, il y avait des anciens fils de président, Bokassa oui. Tout ça, qui ont été balayés. Mm-hmm. Les Centrafricains ont fait le choix de deux premiers ministres, deux hommes d'expérience, mm-hmm. qui sont capables de gérer l'État. Les Centrafricains ont besoin qu'on reconstruise leur pays, et ils ont confié la tâche aux plus professionnels oui. Des deux, qui est Touadéra. Professeur de mathématiques, j'espère qu'il saura arrondir les angles avec les autres. Belle métaphore. Voilà, qu'il saura arrondir les angles avec ses adversaires d'hier pour construire ce consensus-là, pour remettre le pays sur les rails. Parce que je dis, c'est urgent de reconstruire l'autorité de l'État, de reconstruire un État viable, un État solide qui puisse assurer la protection
à tous les Centrafricains, pour ceux qui sont en dehors du territoire, et que pour les déplacés. Docteur Iou, dans tout ça là, que va être, c'est une question qui me brûle les lèvres depuis le début, que va être le sort de l'ancien président François Bozizé? Oui, bon, son sort, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Son pourquoi sort, parce qu'il n'a qu'à rester au Bénin. Mais ce que je veux dire, ce qu'il a dit, notre ami, est juste. Maintenant que le président est officiellement élu, vous avez écouté le message de François Hollande. Le président français. Maintenant, il ne s'agira plus à la France de déployer seulement 900 hommes. Si la France veut apporter un soutien massif militaire au nouveau président, les autres auront peur du bâton. La France peut envoyer 2000 hommes, comme il en a fait au Mali, tout ça. Les États-Unis peuvent envoyer 2000 hommes si c'est nécessaire. Le pays est riche, on peut le payer. La Centrafrique fait partie de la zone d'influence stratégique des États-Unis. Oui, plus maintenant, ils se sont partagés le monde comme l'autre. Joseph Kony dans cette zone. Les Américains peuvent vous envoyer 900 GI, les Français 3000 hommes. Et les Centrafricains qui voudraient faire le petit rigolo, ils vont avoir peur du bâton, parce que maintenant, il y a la Cour pénale, il y a les Français qui peuvent venir faire le jeu. Et si le président joue bien, s'il fait montre de cette cohésion de faire venir tout le monde, ça m'étonne qu'il y ait des brebis galeuses qui ne veulent pas, parce qu'ils ont peur de ce que ça va. La France ne va pas se contenter de ces 900 000. Est-ce qu'on peut balayer juste comme ça, d'un revers de main, la question, le sort du président Bozizé? Je pense que je vais emboîter un peu le pas de mon aîné. Bozizé, franchement, je pense qu'il a misé sur le mauvais cheval. Il avait deux premiers ministres qui étaient parvenus en tête du premier tour. Il a parié sur Dolo Guélé dès le premier tour. Et malheureusement pour lui, il a misé sur le mauvais cheval. Du coup, aujourd'hui, je pense qu'il va devoir revoir sa copie, peut-être essayer de reprendre contact avec Touadéra, qui est son dernier Premier ministre, qui est resté en poste de 2008 à 2013, avant qu'il ne soit chassé. Donc, je pense qu'il va devoir renouer le lien du dialogue avec son ancien Premier ministre. Mais je ne pense pas que ce soit ça l'urgence en Centrafrique. Le retour ou bien la situation, le statut de l'ancien président n'est pas crucial pour les Centrafricains. L'urgence, c'est de reconstruire un pays qui est en ruine, c'est le mot de Touadéra lui-même, un pays qui est en ruine, il faut le reconstruire, rebâtir l'État, pierre par pierre. Merci beaucoup, Rajoul. Et cela passe par l'ouverture et la réconciliation c'est nationale. C'est un passage obligatoire pour lui. Oui. Docteur Iou. Je pense qu'il va se reposer au Bénin où il est quand même tranquillement, parce qu'il se fait oublier pendant au moins 2 ans. Je suis sûr que le nouveau président va gracier presque beaucoup de monde. D'accord. Merci, docteur David Iou, analyste politique. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Rajoul Mouhamadou, journaliste politique à la rédaction de New World Info. Merci également. Merci. À vous tous qui nous avez suivis, nous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à ce rendez-vous, le face-à-face sur New World Info. À très bientôt.